Ça, c'est un Lucky Troll bloc. Un bloc Lucky Troll, mais c'est génial. Ah, et ça avait crashé l'ordi. Ah d'accord, très bien. Ah bah très bien. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la présentation d'un mode, le mode ultime pour troller vos amis. Je vous préviens, c'est du très très lourd, accrochez-vous bien, mettez votre plus beau pouce bleu, partagez la vidéo avec vos potes, parce que là je peux vous dire ce mode est dingue. Et je sens que vous avez tout aussi hâte que moi, alors c'est parti pour la présentation. Transition cochon. Alors pour commencer, vous avez ce bloc qui est un bloc qui ressemble un petit peu à un lucky block, mais lorsque vous le cassez, boum, ça vous drop des petits smiley sur lequel eh bien vous pouvez comment dire, que vous pouvez utiliser pour troller vos amis une fois que vous avez fini de les troller. Je vous explique, ça c'est vraiment le bloc de base. Sauf que regardez, le premier bloc qui est vraiment utilisé pour troller, c'est ce charmant petit bloc de dirt. Regardez ça, il ressemble vraiment, bah, concrètement il ressemble à de la dirt. C'est de la dirt, ni plus ni moins. Regardez, si on prend un bloc juste en dessous, voilà, que je prends un bloc de dirt et que je le pose à côté, c'est en tout point similaire, il n'y a pas un pet de différence. Ah, quoi que j'avoue qu'il y a un petit grain là. Intéressant, il y a quand même une petite différence. On peut quand même le cramer si on est un expert. Sauf que regardez la différence. Ici, si je vais sur ce bloc de dirt, rien ne se passe. Tout va bien. Alors que regardez ce qu'il se passe si par malheur je chevauche le petit bloc juste ici. Attention. Boum! Je suis transporté dans les airs, tel un trampoline. Et bam, je m'explose par terre dans le regret le plus total. Ah, par contre, je suis vraiment bête d'avoir testé. Bon, en même temps, c'est un mode où je vais me faire troller voilà, beaucoup pour la science. Donc là j'avoue que mon petit ordre a été un petit peu changé, mais c'est pas grave. Donc là vous avez un bloc de dirt sur lequel, avec lequel vous pouvez complètement troller de manière ultra discrète. Complètement, c'est impossible à déceler. Et donc là c'est vraiment du très très lourd. Parce qu'à chaque fois que je vois des modes trolls, souvent genre ouais, il y a une petite différence, ouais, le bloc est rouge, en mode attention c'est un troll. Mais non, là c'est complètement indétectable. Tiens d'ailleurs, est-ce que ça marche en créatif? Ah cool, ça marche aussi en créatif, je vais pouvoir vous faire une démo. Ah nice, parce que bon, à chaque fois mélanger, merci hein. Ensuite vous avez ici une troll table qui a été rajoutée tout simplement pour pouvoir crafter le bloc que je vous ai montré au tout début. Regardez ça, si je mets des petites troll face partout, j'appuie sur craft et paf, vous avez le bloc que vous pourrez ensuite utiliser pour, eh bien, supposons que vous venez de troller, je sais pas, il y a une plaque de pression, boum, vous pourrez l'activer et ça droppera plein de têtes. Alors ensuite, regardez ça, nous avons le fake creeper dirt block. Donc là, regardez, nous avons ici un petit bloc de dirt tout à fait normal, un bloc de dirt qui vous fait envoler. Et regardez ça les amis, on a un bloc de dirt absolument indétectable, pareil, qui ressemble complètement à un bloc de dirt. Sauf que regardez, parmi ces trois, il y a un normal, un bloc de dirt qui te fait bondir dans les airs, et ce bloc de dirt qui, les amis, regardez ce qu'il se passe. Lorsque juste pour le plaisir, je le fais en survie, voilà, pour le plaisir, pour le beau jeu. Regardez ce qu'il se passe. Là, les trois blocs sont complètement normaux, sauf que regardez ce qui se passe si j'appuie sur celui-là. Oh, what the fuck? Des creepers apparaissent, regardez ça, je vous le refais. Si vous allez dessus, boum, des creepers apparaissent. Et d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 creepers apparaissent. Donc là, c'est pas mal. Là, vous êtes quasiment certain que votre pote ne risque pas de survivre à une telle explosion. Hein, mon petit creeper. Donc là, vraiment, vraiment de quoi troller. De quoi troller, mon pote, regardez ça. Quel est le vrai bloc de dirt? Quel est le faux? Impossible à savoir. Bon, après, c'est vrai que si vous cachez votre bloc de dirt ici... C'est un peu cramé parce que l'herbe ne repousse pas sur celui-là. Donc là c'est un peu cramé quoi. D'ailleurs c'est tellement bugué que regardez ça, même le bloc a disparu. Mais si vous le mettez dans un contexte un peu plus bas, tu vois, genre là, ni vu ni connu, complètement planqué, pouf, des creepers qui apparaissent. Ah, il n'y a plus de creepers qui apparaissent, il y a trop de creepers qui sont apparus. Ah si, c'est bon, fallait que je me mette en plein milieu, bam, voilà. Alors ensuite, passons à la première arme que j'ai perdue dans le business. Ah non, il est là, voilà, Thunderbow, l'arc du tonnerre, qui est à l'envers d'ailleurs. Mais regardez ce qu'il se passe. Déjà, bah, ils peuvent vous servir d'arc normal, hein, tout ce qui est de plus normal. Sauf que regardez ce qui se passe si jamais, hop, vous tirez à un endroit, bam, un éclair apparaît. Bon, alors là, c'est vrai que pour les creepers, ça a un effet plutôt inverse du troll, puisque ça a pour effet de tout simplement les booster. Mais du coup, regardez ça, vous pouvez leur tirer dessus, piouf, piouf. Les flèches sont instantanées, vous avez vu la rapidité avec la flèche, avec laquelle la flèche arrive sur l'endroit. Déjà rien que ça, ça rend l'arc vraiment ultra ultra utile. Parce que bon, les flèches qui mettent 20 ans à arriver comme avec les arcs normaux, merci, mais non merci quoi. Regardez le mouton là-bas, si ça se trouve. Attends, est-ce que si je mets mon curseur dessus, vous croyez que ça va l'atteindre? Oh, je crois pas que... Ah si, ça l'a complètement... Ça l'a même projeté 20 blocs plus loin. Ah ouais, c'est complètement pété, c'est ça qu'on aime. Regardez ça, les moutons là-bas, les moutons là-bas. Oh bah pff, voilà, là c'est l'auteur que j'aurais dû avoir avec un arc, sauf qu'avec l'arc normal... Wow, j'ai toute la zone. Allez, salut les cousins de Monsieur Mouton. En plus, si vous êtes un noob et vous ne savez pas viser comme moi, regardez ça, boum, même si je vise à côté,
Pouf. Non, j'ai dit, même si je vise à côté, voilà, même si je vise à côté, ça l'a quand même avec l'éclair et le feu. Par contre, on en parle... Ah bah oui, c'est les creepers qui sont en train de s'activer mutuellement. Eh, on se calme ici. Ah oui, et un autre truc aussi complètement pété avec cet arc que j'avais oublié de préciser, c'est que... On peut spammer. Regardez ça, les amis, on peut spammer cet arc. Ça fait tellement plaisir, les modes où on peut spammer. Oh là là, c'est beau. C'est l'ancienne époque, c'est la belle époque. Regardez ça, je peux spammer les arcs et je ne lag pas d'un petit pet. Merci, mon nouvel ordinateur. Merci, Asus, vous êtes les meilleurs. Regardez ça, on peut spammer, ça c'est tellement beau. Regardez ça, on va voir un peu le temps que ça met à descendre. Regardez ça, ça va mettre un temps de fou. Regardez ça. Oh la vache. Oh, ça va tellement haut. Attends, mais ça va à l'infini de haut ou quoi? Regardez ça, ça va tellement vite qu'il y avait des creepers buggés. Mais par contre, vous descendez quand en fait? Jamais. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah ça va à l'infini de hauteur, très bien. Ah si, c'est bon, ça redescend. Oh la vache, oh ça a mis du temps. Hein. Alors maintenant, les amis, on passe à un item absolument trollesque. Le Power Stick. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le Power Stick? Eh bien, pardon. Lorsque je fais un clic gauche avec le Power Stick, ça met la personne en feu. C'est génial! Ça met la personne en feu et c'est pas tout parce que regardez ça. Clic gauche, je mets le mob en feu. Et clic droit, boum! J'ai dit clic droit, bouf! Ça fait apparaître une TNT allumée! Regardez ça, franchement, si, enfin, c'est mon arme de rêve. C'est l'arme parfaite. Je peux foutre le feu. Et je peux faire apparaître des TNT. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? C'est juste l'arme la plus cool que j'ai jamais eu. L'arme la plus trollesque, la plus géniale. Et en plus, ça ne marche que avec les entités, vous avez vu? Ça ne marche pas sur le décor, ça marche juste sur le décor pour la TNT. Oh, on peut mettre la mettre sous le sol carrément. Oh, c'est génial, c'est le bonheur, c'est le paradis. Et les bâtons, les amis, il y en a plein d'autres avec lesquels on va s'amuser. Regardez ça. Nous avons ici le téléport stick. Alors là, il n'y a plus beaucoup de mobs en vie, pour les tester. Mais regardez ce qu'il se passe. Si je fais un petit clic gauche, si je tape tout simplement ce cochon avec mon téléport stick. Bonjour, tu rêves de partir voyage gratuitement? Mais je t'en prie, au revoir. Pouf, c'est le téléport à un endroit random sur la carte. C'était toi ou c'est pas toi? Attends, où est-ce que tu es? Attention, prendre un. Piouf. Oh, il est parti dans les ténèbres. Oh, c'est tellement kiffant. Et ça marche aussi avec les joueurs. C'est-à-dire que si vous installez ça sur votre serveur, ça le téléporte aléatoirement. Tiens, il y en a un qui a été cuit pendant la... Oh, but. What? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça le téléporte plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce qu'il meure. C'est génial ça. Alors maintenant les amis, on passe à une arme non seulement trollesque, mais d'un sadisme. Je n'ai jamais vu une arme aussi sadique. C'est absolument incroyable. Regardez, supposons, voilà, vous allez dire, mais vous n'avez jamais vu ça les amis. Vous n'avez jamais vu un truc aussi trollesque. C'est vraiment le meilleur mode du monde. Si un jour je devais créer un serveur 100% troll, clairement, je mettrais ce mode direct. Regardez ça, le glitch stick les amis. Le glitch stick, ça fait un peu allemand là, le glitch stick. Regardez ce qu'il se passe si je tape une entité à côté de blocs, tac, ça le glitch automatiquement dans les blocs d'à côté. Vous avez vu la dose de sadisme sérieux du truc? Vous prenez n'importe quel bloc, vous tapez, et ça détecte automatiquement les blocs les plus proches. Bon là, il a réussi à s'en sortir, le petit salaud. 3, 2, 1, boum. Ah ouais, d'accord. Et donc là, le cochon... Ah ouais, c'est ça. Oh, le truc de knockback à l'infini jusqu'à ce que tu croises un bloc. Donc là, le cochon... Il est parti pour voyager à vie dans le monde de Minecraft. Oh, mais c'est incroyable. Oh, mais ce mode est trop fou. Je savais qu'il était cool en ayant testé quelques trucs auparavant, mais là, je savais pas qu'il était aussi cool pour des trucs comme ça que j'avais pas testé. C'est absolument génial. Franchement, les amis, je compte vraiment sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus et me dire dans les commentaires si vous voulez plus de présentations troll comme ça, parce que vous êtes beaucoup en réclamer. Donc, je fais vraiment ça pour faire plaisir et me faire plaisir. Sauf que moi, je peux me faire plaisir tout seul. Hein. C'est-à-dire que voilà, je peux installer un mode et jouer tout seul à Minecraft. Donc, si vous voulez vraiment que je fasse plus de présentations, bombardez-moi la barre des pouces bleus, les amis. Parce que là, vraiment, franchement, je trouve que c'est vraiment un mode de fou. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Alors après, il y a d'autres items qui n'avaient pas de description dans le test. Alors là, par exemple, si j'enfile l'armure, ça fait quoi? What the fuck? What? Qu'est-ce que ça fait? What? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? F5? Oh my god. Ok, ça fait planter ton ordi. Oh, c'est terrible. Faut que j'enlève ça. Mon dieu, c'est terrible. Ok, ça fait apparaître des bonhommes à l'infini. Oh, c'est terrible. Ça tue ton ordi. Oh my god, je ferme. Oh my god. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là, c'est ouf. Ok, vous m'entendez toujours, nickel. Je vais relancer Minecraft. Ma. Oh là là, mais alors tout ça aussi, c'est glitché. Ça, c'est quoi ce portail là? Un glitch gun. C'est glitché le gun aussi? Ouais, d'accord, c'est un peu bizarre. Là, un portal initer. Into the land of endless fun.
What? Portal Inhibitor? Mais ça fait quoi ça? Ça fait des particules et tout? Ouais, des particules! What? Et du coup, ça c'est un Lucky Troll bloc. Un bloc Lucky Troll? Mais c'est génial! Ah, et ça fait crasher l'ordi. Ah d'accord, très bien. Ah bah très bien. Transition cochon. Bon bah du coup voilà les amis, c'est tout pour la présentation de ce mode troll. Je vous l'avais dit au début les amis, ce mode est absolument épique. C'est le meilleur mode troll que j'ai testé jusque là pour troller ses amis. Même moi je me suis fait avoir. En même temps il m'en fallait que je teste, donc c'est un peu normal. Mais bref, vous avez compris, c'est vraiment un super mode troll que je vous ai sorti là. Donc j'espère vraiment que vous allez kiffer, que vous avez kiffé cette vidéo. Je compte vraiment sur toi pour bombarder la barre des pouces bleus et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, que tu kiffes les vidéos Minecraft troll et découvertes tout ça. Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt dans 2 jours pour une nouvelle vidéo et peut-être en live. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu kiffes le live. Donc voilà, à très bientôt en live et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez la vie est belle. High five!